Salut tout le monde, c'est Azerath, on se retrouve pour l'épisode 4 du ce playthrough de Fallout New Vegas. Et ok, il y en a un qui vient de se péter sur sa propre mine, c'est pas grave. Donc la dernière fois, je suis mort comme une merde. Un peu plus loin là-haut. Et du coup je dois me retaper les poudriers. Bon, même si ces poudriers là, quand je m'approche d'eux, ne m'en veulent pas trop. Voilà, je pourrais passer sans qu'ils m'agressent en fait, mais j'ai envie de me les faire parce que je les aime pas tout simplement. Et oui, j'ai rechangé la couleur de l'ATH et du Pip-Boy parce que je m'étais rendu compte que je l'avais mis en bleu et la dernière fois que j'ai joué, c'est-à-dire il y a pas mal de temps, et c'était absolument moche. Du coup, je l'ai remis dans sa couleur originale, la couleur dominante du jeu, la couleur ambre. Et je sais plus ce que je voulais faire. Changer d'arme, je crois. Je voulais mettre un flingue. Le lance-grenade. Il est où le lance-grenade? Fusil lance-grenade mercenaire. On va essayer de tous se les faire. Merde. Et faut que j'arrête de me gourer de touche. Hein. On va essayer de se les faire. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. On va essayer comme ça, mais je le sens pas du tout. Hey. Ah non, va. Si je fais ça... Je suis trop loin. Je suis trop loin. Oh oui! Le massacre! Allez, venez. Il en reste. Boum. Ça y est. Ah bah dis donc, c'était plus facile que la dernière. Quoi? Il en reste un. Il en reste un. Alors là, c'était les doigts dans le pif. La dernière fois, j'avais pas fouillé ici. Alors, cartouche 9 mm, ouais. Cartouche 9 mm. Bon, pour eux, c'est du vol, mais bon. Attends, les poudriers, c'est mes ennemis. Capsule, 9 mm, dynamite. Je vais prendre le flingue. Même si j'ai déjà un pistolet 9 mm, je crois. Dynamite. C'est tout. Lui, il a quoi? Encore un 9 mm. Dynamite. Hop. Je vais m'équiper du 9 mm. Enfin, je vais déjà le réparer. Hop. Hop. Voilà. Là, j'ai un bon pistolet. Je regarde un truc. Voilà. 9 mm pistolet. J'ai rien. Oui, on peut modifier ses armes, rajouter les accessoires dessus, mais là, j'ai rien à rajouter. Donc, c'est tout. On va faire avec. Donc voilà, déjà, eux, c'est l'histoire ancienne. Ah bah dis donc. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, des cachetons. Ah, c'est pas mal ça, on peut prendre. Marteau, étui. Je sais pas à quoi servent les étuis. Je crois qu'on peut fabriquer des munitions. On verra bien quand je pourrai en faire. Hein. Donc on se dirigeait vers Prime. Il y a une belle bande de barbouzes qui nous attend. Oh putain. Une belle bande de barbouzes qui nous attend là-bas. Bon là, il y a des geckos machin là. Oh tiens.
Je kiffe le bullet time. T'es moche toi. Putain. Ils sont horribles quand ils courent comme ça. Bon là par contre si je te loupe, y a un souci. Tête infirme. Ah, ça se voit, ouais. Tête infirme, hein, effectivement. Oh, te barre pas. Voilà. Ouais, là, il y a des radiations. Bouteille de Nuka-Cola vide. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas revu mon ami Victor le robot. Parce que j'avais pas de problème pour l'instant. J'espère qu'il viendra quand je me mettrai sur la tronche avec... avec les poudriers renégats. Ça m'aiderait vachement. Une pour toi. Une pour toi. Ouais, deux pour toi. Allez hop. Oh. Alors, ouais, fallait passer par le petit pont, aller à droite. Il y a l'autre gogol qui va me dire, ah non, c'est pas bien de passer ici. Bon, on lui a déjà parlé, ça sert à rien de lui tenir la jambe. On va tailler la route. Hey, où croyez-vous aller comme ça? Primez hors limite. Merci pour l'avertissement. Faites attention. Vous devriez peut-être parler au lieutenant Ice. Il réside dans une tente au bout de la route. Restez du côté ouest si vous voulez pas vous faire cadarder. D'accord. Ok. Bah, ouais, j'irai lui faire un petit coucou. Voilà, je suis à Prime. Ben, c'est pas lui le lieutenant. Non, c'est un soldat. Non, le lieutenant il doit être de l'autre côté. C'est tout, on va y aller. Pas très précis. Ah si, ça va. Bon, c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique parce que... Il y a les méchants pas beaux là. Il y a les méchants pas beaux. Comment je vais procéder? D'ailleurs, ils se dirigent vers moi là. Putain, ils m'ont vu. Ah, ils m'ont vu, ça y est. Ça y est, ils m'ont vu. Je vais essayer de les attirer. Est-ce que j'ai des chances de le toucher? Ah, bof. Hein. On va essayer quand même, mais... Je l'ai pas touché. Je l'ai pas... Merde, putain. Eh, tu peux pas te bouger le cul, toi? T'es un soldat. Voilà, file-moi un coup de main, là. Ok, ça c'est fait. Continue de se battre, c'est très bien. Alors, lui, il a quoi? Des capsules, des cartouches. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça aussi, ça, je prends. Et ça, je prends.
prends les étuis. Je sais pas à quoi ça sert les étuis. Mais je vois que en fait ils n'ont pas de poids. Je peux en prendre autant que je veux, ça me gênera pas quoi. Donc autant les ramasser. Que je vais te fouiller vite fait. Alors, cartouche. Ouais. Non, je vais pas prendre ça. Encore des étuis. Alors, oh. C'est bon. Lui, il est mort. Je crois que c'est bon, la voie est libre. Dynamite. Steam Pack, tiens, pas mal. Des étuis. On va pouvoir avancer un peu. Ah, je suis pas sûr, mais je crois que si j'avais une tenue de poudrier, je pourrais me fondre dans la masse. Ça aurait été cool, ça. J'aurais pu leur parler, etc. Et peut-être pouvoir soutirer des informations. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre une tenue de poudrier. J'ai fait un peu le con, là. Parce que eux, ils ont des tenues de mercenaires, ça ne compte pas. Merde, putain. C'est que je ne suis pas précis du tout. Ok, d'accord. Je vais me replier. Je vais essayer quand même de mettre... Oh la vache, quand le canard. Je vais essayer quand même de mettre la tenue de mercenaire. Attends, j'en ai pas pris, je crois. Ouais, cette tenue-là. Je vais essayer de la mettre. Tenue d'aventurier mercenaire, voilà. Je vais mettre ça, on va voir si. On sait jamais. Hein. Ça permettra aussi peut-être de me déplacer un peu plus vite. Alors. Aventurier mercenaire. Voilà. Encore à corps plus 2, arme à feu plus 2. Je serais peut-être moins protégé. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai lâché, quel con. Je serais peut-être moins protégé, mais. Mais voilà. Hop. Ah, je vais un peu plus vite, j'ai l'impression. Oh, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Ok, je vais changer d'arme parce que là ça ne va plus. Là ça ne va plus. Calibre 12 robuste. Non. Single shotgun, non. Ouais, si, single shotgun. On va prendre ça, single shotgun. Yeah. Ah, il y a un autre soldat qui est arrivé. Pour me faire un coup de main. Allez. Arrêtez ça, ok, il y a eu des vieux bruits bizarres là, je sais pas ce qui s'est passé. Cartouche. Ça c'est un couteau de boucher, on s'en fout. Re, tout le monde, donc le jeu a crashé, hein, comme vous pouvez le voir. Vu que j'avais pas sauvegardé avant, ben je suis revenu ici, hein, voilà, ça m'énerve, hein, légèrement pété un plomb, hein. Donc les poudriers, ils ont de la chance, hein, parce que je vais pas m'occuper d'eux, parce que j'en ai rien à foutre, parce que vous me cassez les couilles,
Si un représentant de la loi vient me chercher, il m'aura les choses se mènent bien comme ça pour espérer faire de vieux os. Allez, ferme ta gueule. Là, j'en ai gros sur la patate. Là, franchement, là, ça ne va plus. Là, ça ne va plus. Là, j'en ai marre de chez Mar. Alors, ce que je vais faire... Non, faut que je me les fasse. Faut que je me les fasse quand même, parce qu'il me, il me faut cette tenue de... Il me faut une tenue de poudrier. Parce que je suis sûr qu'on peut se déguiser. Je crois que je l'avais déjà fait, en fait, dans... Il y a vachement longtemps, quand j'ai joué. Donc, je vais reprendre le lance-grenade, et je vais faire un carnage, et puis c'est tout. Allez, ton pruneau, le bloc. Chacun son tour. Et qui le suivant? Eh, c'est fini? C'était un cafard. C'était juste un cafard. Donc je vais prendre une tenue de poudrier. Alors, tenue poudrier garde, je vais prendre ça. Je vais pas les looter parce que j'en ai marre, j'ai la flemme, ça fait 3 fois que je le fais, donc ça me saoule. Je vais m'équiper du... Où qu'il est? Mettre le chapeau, tiens. Tenue de poudrier. Oh, bah, j'en avais déjà une! Putain, mais quel con. Tant pis, elle sera plus résistante. Armure de faction, voilà. Vous avez revêtu une armure de faction. Une armure de faction donne l'apparence des membres de faction. Hein. Mais faut se dire aussi que les factions ennemies au poudrier m'attaqueront à vue, vu que j'ai la tenue de poudrier. Donc je me demande si les soldats de la RNC, là, vont pas me canarder. J'ai des doutes, en fait. Ouais, j'ai des gros doutes. Allez, oui, c'est bon, il est mort, on le sait. Ouais, c'est bien joli, les petits ralentis et tout, mais... Dégage. Donc c'est tout, on va bien voir s'il m'attaque avec cette armure. Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oh là. D'accord. Oui, il m'attaque pas. Les bestioles ne m'attaquent pas. Ouais. Les bestioles ne m'attaquent pas. Oui, je sais, elles sont des parties du corps, je suis au courant. Je l'ai déjà fait. Alors, un steam pack, une trousse, encore un steam pack. Voilà, je suis à fond. Je suis chaud bouillant. Je croise les doigts, parce qu'en fait là j'ai mis une tenue de poudrier, ok? Mais eux c'est des poudriers renégats, donc... voilà. Et voilà, j'en étais sûr. Putain, les soldats de la RNC me tirent dessus. Eh merde. Je vais remettre un autre vêtement. Armure de cuir. C'est bon, arrête de me tirer dessus. Faut que je m'éloigne. J'ai fait le con. Va falloir que je le tue. Va falloir que je le tue, hein. Ah. Il me lâche. Il m'a lâché. Non, il m'a pas lâché. Va falloir que je le tue. Je suis désolé, hein, mais...
suis désolé, mais sinon il m'aurait jamais foutu la paix, quoi, donc alors, 9 mm, casque à lunettes, plaque d'identité, traded soldier NC. Je vais mettre le casque. Ouais, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Il m'a pas donné le choix. En même temps, j'ai fait le con, j'aurais pas dû mettre la tenue de poudrier. J'aurais pas dû. Résultat, bah, un épisode, toujours au même endroit. C'est super, quoi. À cause d'un putain de crash, tiens, par un crash, je vais sauvegarder. Sauvegarde là. Voilà. Il n'y a pas une touche pour la sauvegarde rapide, comme dans Skyrim. Ce serait super, ça. Commande. Touche. Sauvegarde rapide, F5. Ah, nickel. Yeah, c'est nickel. Comme ça, je serai tranquille en cas de crash ou de problème. Salut toi. Oui, j'ai tué ton pote. Eh ouais. Là, je vais essayer de mettre la tenue de poudrier. Là, il me voit pas, là, lui, là. Il me voit pas. Si je mets la tenue de poudrier, là, il va pas m'attaquer, mais est-ce que les autres d'en face vont m'attaquer? Je vais essayer de tenue de poudrier. Merde, il m'a vu, putain. J'ai raté mon coup! Oui, il m'attaque. Oh, les putes, ils m'attaquent tous! Ok. Plus de munitions, putain. Plus de munitions, arme. Lance de jet. Hop, j'oublie un truc. Stat. Steam pack. Faudra que je rachète du Steam Pack, moi, parce que... Ça suffira. Ah, j'étais désarmé, hein. Merde, il la récupère. Wow. Si je lui mettais une lance en pleine tête. Oh. Il y a l'autre qui est en train de se battre avec d'autres... d'autres mecs. Alors, capsule, cartouche, dynamite, hop, tenue d'aventurier mercenaire, je vais la mettre. Je vais enlever la tenue de poudrier parce que là, ça ne sert à rien du tout. Tenue d'aventurier mercenaire, voilà. Ne portez plus une tenue de poudrier. On va les laisser s'entretuer. Ok. Oh merde. Je suis trop loin. Il faut une autre arme. Arme. Fusil. Non, pas calibre 12 parce que. Allez. Oh, je l'avais pas vu lui. J'en ai désarmé un. Merde! Cours! Ils sont où?
Qu'est-ce qu'ils font? Ils m'attaquent pas? C'est à cause de la tenue? Mais non, c'est pas une tenue de faction pourtant. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, ils ont peur! Je me tire. Ils ont peur! Allez! Ah, ils ont peur! T'as peur? Bah, c'est l'heure de l'exécution, mon pote. Te barre pas! Voilà. Voilà, je suis là, fait un salto. Suivant. Ah bah là tu fais. Là tu fais le fier d'un coup là. T'as retrouvé un flingue, tu fais le fier. Tiens, mange. Oh. Oh merde, y'a un pote à lui là. Je vais mourir. Il me reste 9 PV. 9 PV. 9 PV. Ah ouais, putain. Alors une trousse de médecin. 3 steam pack. Ouais. Là ça pue du cul là quand même. Là je l'annonce, ça pue. Oh, oh c'est vilain ça. Là je l'annonce, ça pue. Ouais t'es sûr. J'en étais sûr. À mon avis, c'est pas la bonne tactique. Soit je suis une grosse merde. Soit je n'utilise pas la bonne tactique pour me faire... Wow. Molo. Attends, j'ai quoi comme tenue là? Armure cuir légère, je vais mettre l'armure métal. Ouais. À mon avis, c'est pas la bonne tactique. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, c'est un épisode un peu laborieux, mais je vais vous laisser là. Hein. Si ça vous a plu, un petit pouce vert, un petit commentaire pour la moindre suggestion ou des propositions de mode. Hein. Et voilà, voilà. Hein. Épisode suivant, on essaiera de se les faire une bonne fois pour toutes parce que ça fait un peu 3 épisodes. On est dessus. Les saloperies de Renégat de mes deux. On va y arriver, on va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc voilà, c'était Azarad pour Gaming for Fun. Je vous dis bonne soirée, bonne journée et à la prochaine. Salut.